Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu déjà dans le titre. Donc aujourd'hui c'est les pommes de terre. Mais je vais vous montrer comment faire les pommes de terre, comment les récolter et où les vendre. Donc c'est très très simple. Donc premièrement, là je vous mets l'ouvrier. Donc vous pouvez acheter, désolé si vous ne voyez pas vraiment bien. Premièrement, il va falloir que vous allez ici. Je vous zoome. Arracheuse de pommes de terre. Donc, vous cliquez dessus. Et vous en avez plusieurs. Donc, vous avez celle-là. Donc, ça, c'est celle que moi j'ai achetée. Donc, elle est à tout le lot. Et elle contient 20 000 litres. Et elle à côté, elle en contient moins. Donc, si vous voulez prendre elle d'à côté, il va falloir prendre en premier ça. Pour passer, comme ils vous disent. Et après ça pour récolter. Donc ça c'est le premier cas. Donc moi j'ai pris celle-là honnêtement, voilà. Dans le deuxième cas, il va falloir aller dans les machines à semencer. Donc ça c'est le premier cas, machine à semencer c'est pour planter. Et après il faut que vous achetez le matériel. Donc honnêtement, on peut partir vraiment sur quelque chose comme ça. Parce que ça c'est vraiment pour les pommes de terre. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a ça et il y a ça qui est plus petite. Voilà, il y a celle-là. Donc il y a celle-là et celle-là. Donc il y en a deux. Donc honnêtement, moi j'ai pris la plus grosse et la plus, voilà, pour aller plus vite. Et il va vous falloir, bien évidemment, un tracteur. Donc n'importe quel tracteur. Donc là, j'ai tout préparé avant pour que ça vous fasse pas perdre trop de temps. Donc après, ce qu'il va vous falloir, si vous voulez faire comme pour le blé, pour l'orge, pour tout ça, ben vous allez aller dans le cultivateur, vous allez vous acheter, lui que vous voulez. Maintenant, moi j'ai pris le plus gros pour aller vachement plus vite. C'est juste pour arroser les champs et que ça pousse pas plus vite, mais que ça pousse bien, on va dire. Voilà, c'est vraiment l'entretien parfait. Et il va vous falloir, bien évidemment, une benne. Ça va être pour récolter, pour ramasser, pour mettre dans la benne, bien sûr, les pommes de terre qu'elle aura ramassé la machine de pommes de terre. Donc, là, elle a fini. Si vous ne voulez pas prendre de benne, c'est pas la peine. Ne prenez pas. Et juste prenez votre machine et vous allez au point de vente, pareil avec votre machine. Donc honnêtement, moi, je vais prendre plutôt la benne, mais ça serait exactement pareil, donc voilà. Donc là, moi, j'engage l'ouvrier, j'enlève l'ouvrier, et vous allez en haut. Voilà, tout en haut, là où je vais. Sauf que moi, je ne vais pas y aller parce que ça va être plus compliqué à la décharger. Donc ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rejoindre mon petit tracteur qui m'attend tranquillement avec ma benne. Pour que j'aille le vider, oui, voilà, c'est vraiment très très bien, très classique. Donc, ben, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, ben, n'hésitez pas à aller les voir. S'il vous plaît, allez liker, allez partager et à vous abonner. Et surtout, si vous vous abonnez, mettez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc là, je suis en train de charger, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc on attend gentiment et voilà, elle a fini. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Voilà, elle s'est arrêtée. Donc maintenant, après, vous voyez, voilà, c'est ce que ça va partir comme ça. Et ça c'est quand c'est ramassé. Et ça, c'est quand c'est planté et que c'est bon à récolter. Donc là, je prends mon tracteur, j'active les petits gyrophares et on y va pour aller vendre ça. Donc, n'hésitez pas à, si vous avez TikTok, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Je vais vous donner mon compte, c'est Théo, T-E-O, 14-140. Donc, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais sortir un peu des vidéos de l'agriculture. Donc, si vous voulez, ben, les liker, les commenter.
Ou si vous voulez me poser plus de questions, me dire est-ce que vous pouvez faire ça, par exemple, je sais pas, par exemple, si vous pouvez faire un long épisode que de pommes de terre et que vous plantez, vous attendez ici et là, ben moi je vais tous les jours quoi sur TikTok. Voilà, j'y vais tous les jours. Je regarde si j'ai pas de commentaires, si j'ai pas de nouveaux abonnés. Et voilà. Et donc du coup, ben, donc si vous voulez mettre un commentaire, ben mettez-le sur une de mes vidéos. Et vous me demandez et vous me dites j'aimerais que vous me faites par exemple un épisode entier de pommes de terre quand vous plantez, vous attendez, voilà tout ça, vous achetez le matériel, donc ça je vous le fais dès que je peux le faire. Et après, et ben voilà. Et après, ben bien sûr, je le publie sur TikTok et sur YouTube. Moi, vous pouvez le voir. Et si vous voulez vraiment pas que je parle par un commentaire, ben vous vous abonnez à moi. Moi, je me rends abonné à tous mes abonnés maintenant. Voilà. Et vous m'envoyez un message, voilà, j'ai vu votre vidéo sur YouTube, j'aimerais savoir ça, par exemple, j'ai pas vraiment bien compris ça, ou j'aimerais juste savoir quel matériel est le mieux, ou voilà, ben si le jeu est bien, ou me poser des questions, n'importe quelle question, ou me demander un épisode, ce que vous voulez, je vous le ferai sur YouTube et sur TikTok. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est si disons qu'on me dit ça, parce que sur YouTube, j'ai pas de commentaires. J'ai pas activé les commentaires. Donc voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Allez sur TikTok, comme je vous ai expliqué. À liker si la vidéo vous a plu et à la partager, le lien par message à vos amis ou vous la partagez comme vous voulez, à qui vous voulez, ce n'est, y a aucun problème. Ben, on se dit pour une prochaine vidéo et c'était Théo 140. Ciao les amis.